flat as audio. I'm modest, Joe, the opposite of dropping dough. Saving up for something. Non, je vais lui en mettre plein la gueule. De toute façon, s'il casse, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il doit casser. C'est maintenant. Non, je plaisante. Faut respecter le rodage. Faut respecter le rodage. Et voilà, faut respecter le rodage. Salut tout le monde, salut les riders. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe pour vous. Bien sûr, ouais, c'est ma phrase type. C'est ma phrase type. C'est ma phrase type, les mecs. Bon, aujourd'hui, on se retrouve au volant de cette mêle magnifique Clio. Je vous rappelle, Clio. Véhicule du peuple. Pourquoi je suis dans cette magnifique Clio? J'ai enfin une bonne nouvelle. Mon turbo est réparé pour mon camion. Je vais pouvoir vous rattaquer les vidéos. Je vais pouvoir aller rouler encore plus intensivement sur mes spots. Voilà. Donc je suis hyper content. Donc là, direction Châteauroux. Je vais récupérer mon turbo. Je vais payer. Malheureusement, il va falloir que je paye. Et je rentre direction le trou du cul du monde chez moi. Au passage, cette vidéo, il ne va pas y avoir énormément de choses. Ça a pu être un lifestyle. Un lifestyle de ma journée. Je trouvais ça intéressant de vous faire quand même une vidéo parce que dans mon optique, c'est vraiment de vous faire une vidéo chaque semaine. C'est un de mes objectifs. Aujourd'hui, on va parler de points importants. On va parler de l'avenir de la chaîne YouTube en quelque sorte. Comme vous le savez, je suis un petit peu nouveau sur YouTube. C'est un peu une nouveauté pour moi. Mais je trouve ça plutôt intéressant, YouTube. Ça permet d'être beaucoup plus proche, on va dire, des fans, se mettre plus de détails sur ma discipline, sur ma vie, sur ce que je fais au quotidien pour pouvoir faire ce que je fais, qui est du stunt, de l'acrobatie moto et vous apprendre à comment le faire. Aussi, énorme merci à tous ceux qui me lâchent des likes, énorme merci à tous ceux qui me lâchent des commentaires, ça me fait hyper plaisir, franchement ça motive à donf pour faire encore plus de vidéos. En tout cas, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Parce que c'est un peu nouveau pour moi de filmer avec cette caméra, mais je trouve ça plutôt intéressant. C'est une GoPro Max 360, ça permet de filmer à 360 degrés. Parlons des vidéos qui vont arriver très prochainement sur YouTube. Comme je vous ai dit, je vais beaucoup vous faire des vidéos tips, des vidéos tutos de comment faire certains tricks. Il y aura aussi des vidéos lifestyle comme celle-là, où je vais parler de ma journée, de ce que je fais dans ma journée, mon quotidien, etc. Je trouve ça très intéressant. Enfin bref, on se retrouve à Châteauroux les mecs, quand je suis arrivé, parce que très dangereux de parler à la caméra en même temps que je conduis. Et n'oubliez pas, c'est grâce à vous, que ça motive à faire des vidéos encore plus et de plus en plus. Donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires et des petits likes. Ça fait toujours plaisir, comme je vous dis toujours, si vous avez des commentaires négatifs ou positifs. Car comme je dis toujours, tout commentaire est positif, qu'il soit positif ou négatif. Donc n'hésitez pas, lâchez des likes ou des dislikes et mettez des commentaires. Ça fait super plaisir. Enfin bref, on se retrouve à Châteauroux quand je suis arrivé au garage qui répare mon turbo. Mais avant toute chose, on va se mettre la radio pour se motiver un petit peu si j'arrive à la faire fonctionner dans cette magnifique Clio du peuple. Je sais pas du tout comment peut fonctionner la radio. Génial. Attendez, ça doit être là. Yeah. Straight out of the 949. OC. Yeah, yeah. You can't stop this show. It's fucking chronic, yo. It's fucking toxic like an alcoholic logic flow. Voilà, on y arrive à ce magnifique magasin Turbo Technique. On va voir s'ils sont bons. Ouais, comme vous savez tous, hein, on se gare à l'arrache, rien à foutre. Garez-vous bien, faites pas les enfoirés, c'est important. Donc on va aller dans le magasin, je vais pas filmer l'intérieur du magasin bien entendu, ça sert à rien. Bah, je vous reprends après, à tout à l'heure. Bon les mecs, c'est bon, je suis sorti du magasin, sorti du shop, sorti du garage. Le turbo est enfin réparé. Et regardez comment il est beau. Regardez comment il est beau. Oh, il est tout clean, il est tout beau. Je vais pouvoir vous recommencer les vidéos. Cool. Et il m'a montré en fait le problème que j'avais. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais j'ai une grosse fissure sur le corps du turbo. Ça a été tout changé et tout. Enfin bref. Et acheter des turbos sur eBay. Il y avait une grosse malfaçon aussi dans le turbo. Ça a été ressoudé. Ça a été cassé et ressoudé dans le turbo. Vous vous rendez compte? Je vous conseille de vraiment pas acheter de turbo sur eBay. Mettez le prix. Je vous conseille Turbo Technique à Châteauroux. Bon, sur ce, on va tranquillement, mais sûrement, à la maison. Et faut se taper l'aller-retour. Hein. Allez, on rentre à la maison. Si j'arrive à mettre le contact, c'est pas sûr. Attendez, avoir une nouvelle panne. Bon, allez, on rentre au garage. On se reprend au garage, les mecs, et on va parler un petit peu de l'avenir de la chaîne. Attendez, faut juste que je retrouve ma route. Let's go. I got a couple shots in my system of that whiskey. I'm the best in fucking town in this motherfucking city. Everybody knows me now cause I'm staying hella busy. Got the ladies all around thinking that I'm hella filled. It's cause I'm guilty, yo. You gon' hear me on the
audio. I'm modest, yo, the opposite of dropping dough. Saving up, I'm stopping, no. I rock it on this domino and push it till it popping, no. The focus never slow down. Put my feet out in the yard. Ouais, faut que je me calme. Bon, on est enfin arrivé dans le garage avec ce magnifique turbo. Mais la vidéo, je la tourne deux jours après. Ouais, pourquoi je la tourne deux jours après? Je suis tombé en panne de batterie, tout simplement. Et je pense que j'ai la poisse. Ou sinon, c'est que je suis une tête en l'air et j'oublie de recharger mes batteries. Devinez. Enfin bref, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va aborder les points importants. On va aborder le sujet de l'avenir de la chaîne. Il va y avoir plusieurs catégories de vidéos. Il va y avoir les tutos, qui seront des tutos, par exemple, sur la mécanique. Des tutos sur le roulage, sur les tricks, comment faire des tricks. Il y aura aussi une catégorie où ça sera beaucoup plus des tips, comme par exemple... Il y aura vraiment énormément de tips pour vous améliorer et surtout pour vous faciliter la vie. C'est surtout ça. Parce que c'est des choses que tu apprends avec le temps, avec l'expérience. Et je pense que c'est très important de vous partager mon expérience. Il y aura aussi des vidéos beaucoup plus lifestyle, comme aujourd'hui où je vais aller chercher mon turbo à Châteauroux pour pouvoir réparer mon camion et vous faire de plus en plus de vidéos. Quand je dis vidéo lifestyle, ça sera des shows, des événements. Ça peut être des contrats que je fais, des spectacles, des courts-métrages, des behind the scenes comme j'ai fait pour la vidéo de Scorpion et Indian, où je vous ai montré tout le côté derrière la caméra. Enfin, d'apercevoir que t'as une grosse trace de doigt sur le hop là. Ça aussi des voyages, des practices avec des potes. Il y aura aussi une catégorie de vidéos qui sera beaucoup plus des rencontres, comme pourquoi pas aller rouler avec toi. Toi oui, là, toi là, juste là qui est derrière la caméra. On pourrait faire un concours et je viens rouler avec toi et je te donne des astuces en live. Il y aura aussi des vidéos beaucoup plus beautiful shot, comme la vidéo avec Indian et Scorpion où j'ai fait le behind the scene. Bref, il y aura énormément de vidéos, il y aura énormément de catégories de vidéos. Autre point important, il y aura aussi des vidéos avec des motos différentes. Là, actuellement, vous avez mes motos Sun, vous avez celle-là qui est très connue. Vous avez mon CBR 1000 qui sera forcément une de mes futures vidéos. Il y aura des vidéos super motocross, mais j'en dis pas plus. Il y aura vraiment énormément de vidéos. Pourquoi pas des vidéos avec des mobilettes, pourquoi pas des vidéos avec des motos un petit peu mythiques comme une 103, etc., etc. Je sais que ça a été déjà fait, mais moi aussi j'ai envie de le faire et à ma sauce. Pourquoi pas aussi des sessions en BMX ou des sessions en skate comme ceci. Bon, va falloir que je me rachète un skate par contre parce qu'il est vraiment défoncé. Regarde, je te fais un kickflip. Il y aura énormément de vidéos avec des engins différents. Enfin bref, en résumé, énormément de vidéos. Sur ce, je vais vous laisser les mecs. Ça n'aura pas été une vidéo super intéressante. Il n'y aura pas eu énormément de choses. Mais je trouvais ça important de vous faire cette vidéo. Je trouvais ça important d'aborder tous ces petits points et de vous dire que je suis motivé à 10 000% pour vous faire des vidéos de qualité, des vidéos de folie, des vidéos de dingue. En tout cas, si la vidéo vous a plu, si vous êtes intéressé par le projet, par toutes ces catégories de vidéos, n'hésitez pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir et ça motive à donf. Comme je dis toujours, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. Oui, point important, il y aura aussi des catégories de vidéos que ça sera vos idées. Donc c'est très important, mettez des commentaires, donnez-moi des idées de vidéos que vous aimeriez bien voir. Que ce soit en mécanique, comme je vous le dis, tuto, tips, etc., etc. N'hésitez pas, je suis là pour répondre aux commentaires et je suis là pour te faire la vidéo qui va te décoincer, la vidéo qui va te faire progresser, des vidéos qui vont te permettre de rentrer dans cette discipline plus facilement. Parce que je sais que nous, par exemple, il n'y a pas eu forcément de vidéos, on n'a pas forcément eu de tutos, on regardait énormément les vidéos des autres. On aurait eu des explications, je pense qu'on aurait évolué beaucoup plus vite, beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant de vous partager ma passion et de vous aider à rentrer dans ma passion. Cette passion qui est merveilleuse, ce sport qui est merveilleux parce que c'est aussi un sport, il ne faut pas croire, il y a du sport à faire à côté. C'est pas juste tu montes sur ta moto et tu roules. Non, c'est pas
pas vrai. Sur ce, je vous dis à la prochaine, les mecs. Soyez forts, soyez peace. Je vous aime. Et moi, je vais aller tester mon camion. Je vais faire le rodage de mon turbo. Non, je vais aller lui en mettre plein la gueule. De toute façon, s'il casse, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il doit casser. C'est maintenant. C'est maintenant. I got a couple shots in my system of that whiskey. I'm the best in fucking town in this motherfucking city. Everybody knows me now cause I'm staying hella busy. Got the ladies all around thinking that I'm hella good. Faut respecter le rodage. Faut respecter le rodage.